Faut dire que ancien sénateur Guy Philippe entré jodi à dans pays d'Haïti, dans l'aéroport international Toussaint, l'ouverture là, dans un moment très particulier dans vie pays d'Haïti, Valerio Saint-Louis depuis New York. Ancien sénateur Guy Philippe retourné en Haïti après que le gouvernement américain était rapatrié. Jeudi 30 novembre ça. Avocat Guy Philippe là, Jean-Joseph Luiché et Youssouf Poche ONM qui c'est Office National Migration en Haïti, t'est confirmé par VOA Créole bonne nan matin que Guy Philippe t'est arrivé dans l'aéroport Toussaint Louverture là. Et depuis là ça, VOA Créole a cherché à rentrer en contact avec Guy Philippe en personne, mais nous pas qu'à joindre lui jusqu'à présent pour t'a fait aucun commentaire. Dans une interview que Guy Philippe t'a bail VOA Créole, l'elle était dans détention dans mes services immigration ICE ici aux États-Unis. Guy Philippe t'a dit nous l'elle retourner dans pays il qui ça le prend le fait. L'entrée en Haïti activité politique pour prendre normalement Guy Philippe. Ça fait bien entendu. Je pas jamais faire politique non. Qui a fait une politique? Ma vie, je ne sais pas plus candidat qui intéressé, c'est plus élection intéressé, sinon que qui cherche pour nous retirer Haïti dans la misère que nous y a là? Qui cherche pour nous travailler, pour nous reformer le pays, pour nous craser le système, craser le souci? On a fait l'élection 100 000 fois. Si nous étions président avec nous, dans le même système, il y a bon encore. C'est le système là que nous changeons, il faut que nous changions le système là. Quand on a fait la première fois, on a fait son tournée nationale, on a fait mal à la différence, on a fait tout côté. Il y a plus de besoin de la balade chez nous. Pour nous dire, est-ce qu'on veut faire Haïti ou bien est-ce qu'on va faire Haïti? Retour Guy Philippe en Haïti a été provoqué quelques inquiétudes, à savoir que présence site a causé plus de bouleversement dans un pays qui déjà en bas violence gang avec instabilité politique. Il n'est pas trop clair qui rôle que Guy Philippe a espéré jouer dans le pays. L'air y retournait. Mais n'a pas rappelé que Guy Philippe était chef la police dans la ville au Cap ou zone Nord. Et puis il était accusé comme quoi il était dirigé attaque sous commissariat à la police avec l'autre cible pendant qu'il était en exil dans le pays République Dominicaine. Il était retourné en Haïti en 2004 et il était dirigé un groupe rebelle qui était entré dans un soulèvement qui était débouché sur un coup d'État qui était forcé président Jean-Bertrand Aristide prend exil. Il était finalement, après plusieurs tentatives, arrêté Guy Philippe en Haïti en janvier 2017 pendant qu'il a participé dans une émission radio en direct. Les salles étaient fait élu comme sénateur de la République. Et puis autorité haïtienne ont été conduite bien vite dans l'aéroport en façon pour éviter déblosage fait les ça contre extradition sénateur vers pays États-Unis. Sous question mandat ou soit compte à rendre que ancien sénateur a gagné avec la justice haïtienne, mais ça te répond dans une interview exclusive que le débat est VOA Créole depuis le centre de détention li ici aux États-Unis. Je vous mandat d'amener contre moi, je réponds à mandat d'amener. Donc, je n'ai aucun mandat contre moi. Par exemple, je vous parle, je vous parle, je vous parle, je vous parle, même l'homme va citer. Mais non, ça. Toute sa dictation politique, c'est juste une privée qui a fait tout le monde à la politique qui est dans, soi-disant, des CDJ. Mais pas aucun mandat pour nous. Nous n'avons pas bien. N'a pas rappelé toujours que un petit temps après l'arrestation en 2017, Guy Philippe te paraît devant un juge fédéral dans la cour Miami pour faire face à l'accusation de drogue que l'Américain te gagné contre lui, soi-disant qu'il te gagné la donne complot trafic cocaïne avec blanchiment l'argent. Dans le mois juin 2017, il était condamné à 9 années en prison après qu'il t'ait plaidé coupable pour une accusation blanchiment l'argent. Guy Philippe t'est lagué en prison le 7 septembre 2023, d'après documents tribunaux. Et après plusieurs démarches que l'avocat a été fait pour le gouvernement haïtien, t'es bail Guy Philippe document voyage lié pour t'être capable de retourner dans le pays natif natal. Guy Philippe t'est arrivé joindre document. Et finalement, après 6 ans, 11 mois, Guy Philippe retourne la Kaili en Haïti. En pile partisan Guy Philippe, yo content ou tout li. Certains observateurs pensaient que présence Guy Philippe dans le pays a capable de changer données politiques dans un moment. Parmi alliés et partisans Guy Philippe gagne yo, n'a cité ancien président Michel Martelly, que plusieurs monde toujours considéré comme un acteur qui puissant et qui campait des scènes politiques là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Oui, d'après dernière nouvelle que nous gagnons, d'après correspondant nous Massado Ville, mais qui sous place, eh bien, DCPJ t'a questionné M. Guy Philippe, qu'on y a parlé de présence juge de paix. Donc, n'a pas pour dossier ça qui était tout l'ouvré. Ou souvez ou à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne. On dit autorité ou pas de permettre moun qui était représenté avocat et qui était représenté Guy Philippe comme avocat et présent dans le moment que DCPJ t'a posé aux questions. Et nous t'ai parlé avec Maître Emmanuel Gentil, lui-même qui t'a eu l'occasion, ouais, Monsieur Guy Philippe. Je suis capable d'assister l'ancien sénateur Guy Philippe. Mais le nous arrivé, c'est seul moi-même avec cabinet dans l'expertise d'avocat qui a eu une chance de rentrer en dedans. Après ça, aucun autre avocat que Guy Philippe gagne, il n'a pas quitté ou rentré. Je t'ai été juste dehors à net dans le grand larry. Donc, l'homme rentré en dedans, quoi que nous t'ai identifié, nous t'ai parlé avec les policiers, nous t'ai dit, mais qui, maintenant qui cap qui mission que nous-mêmes nous venons là, ils n'ont pas recevoir nous t'ai chita en dedans, dans un bureau pour recevoir avocat.
Et puis là, nous demandons, il faut que nous t'avons assisté, s'il a posé des questions, donc faudrait-il que nous-mêmes nous t'avons là, s'il a interrogé lui. Je te dis non, non, il n'est pas capable de permettre ça, c'est uniquement des questions qui regardent l'administration, des barrières purement administratives que nous-mêmes avons réglées. Donc dans ce sens-là, avocat pas gagné droit pour venir assister aujourd'hui. Donc il n'y a pas qu'on est peut-être demain. Donc, non capable d'assister. Donc, en gros, c'est ça que moi, je suis capable de dire. Bien entendu, moi, je suis dans une salle qui était attenante à côté que vous attendez ou encore parlé, je ne sais pas qui ça vous a fait, avec l'ancien sénateur. Là. Est-ce que vous avez eu l'occasion, l'opportunité, l'ancien sénateur? Oui, moi, ouais, avec les yeux, moi. Il est rentré et nous avons simplement dit un bonjour. Et puis, il passe devant, comme on est là pour rentrer avec vous. Gagne un policier devant, un policier derrière, ou pas gagne droit rentrer parmi les détenus. Vous comprenez? Donc, moi, ouais, avec deux yeux, mais c'est les mêmes qui étaient parmi les premiers monde qui t'a rentré en dedans dans des CPJ. Est-ce que il était menotté ou bien non? Je ne rappelle pas que je me dis que menotté, non? Et mais là, on dit que demain, éventuellement demain, ou t'as capable la veille, est-ce que ça veut dire que l'a nommé des CPJ toujours? Très probablement, parce que ce n'est pas Dimio Dim qui a libéré, c'est Dimio Dim de même, peut-être, nous avons parlé ensemble avec lui, peut-être avocat qui a vu nous. Donc, si je bien comprends et mettre gentil, Guy Philippe n'est pas libéré. Du tout pas, actuellement là, il est nommé des CPJ. Est-ce que l'a libéré plus tard, ça ne me connaît. Est-ce que c'est demain, après demain, je ne connais pas. Parce que personne avocat n'a pas gagné droit de venir entendre quoi que ce soit ça lié à. Ni pour être capable de parler, ni recevoir. Au contraire, il y a même l'autre avocat qui l'a en vente, tout le monde te connaît dans toute la presse de tous côtés. L'autre avocat, ça, c'est deux ans dans grand la rue à l'hôpital, au campé. Il n'y a pas fait rien pour être capable de permettre que vous rentrez. Et nos situations comme ça, M. Gentil, qui ça la loi dit? Le mot du doigt. Bon, article 25.1 Constitution résout le problème ça depuis 1987. Il dit que nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Ça n'a pas dit, s'il n'a pas parlé de interroger, s'il n'a pas le défini en créole, ça veut dire poser question. Mais pas poser question pour poser question dans souci pour capable de venir en réponse. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il y a expliqué que c'est purement phase administrative. Or, c'est des questions que bien même que vous avez posé l'ancien sénateur. Donc, constitution, il n'a pas dit phase administrative ou pas. Il parlait que nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou de témoin de son choix. Mais moi, j'étais en concertation avec l'autre avocat que, en général qui présentait comme avocat M. Guy Philippe, et qu'on y a qui prochaine étape? Est-ce que ou même avec eux, nous avons planifié quelque chose dans le cadre et ça nous est les mots du doigt? Bon, et normalement, l'autre avocat, yo, le mouet, après tout le temps que je fais en dedans, c'est seul moi-même qui était en dedans, et malgré que en dedans, moi-même, c'est pas quitter ou quitter que je viens accomplir mission comme avocat. C'était moi-même avec mon autre avocat dans le cabinet, qui c'est M. Jean-Pierre, Stéphanie, nous était là. Donc, l'homme vient voir ça, et l'autre avocat, il aurait été deux honnêtes, donc par solidarité, et moi, que c'est pas rien que m'a réglé, mission en tant qu'avocat, c'est pas par étendre dans une chita, une chauffer banc. Donc, moi-même, je viens arriver, me sortir dehors, et moi-même, je joue l'autre avocat. Et dans le moment où on a parlé là, nous gagnons ça qui est l'autre stratégie que nous pouvons utiliser pour nous capables. Et qui ça va gagner là et qui j'en peux nous capables